Donc, dans cette vidéo, je te réexplique un petit peu le suivi que tu vas avoir avec nous. Donc, je t'explique les grandes lignes. Donc, la première chose avec nous, tu vas avoir l'évaluation initiale, c'est là qu'on set tes bases. Tu vas avoir ton programme d'entraînement, tu vas avoir ta planification d'entraînement. Ces programmes-là, planification alimentaire, ces programmes-là et les planifications alimentaires vont se renouveler à chaque mois. Il va y avoir des différences, des changements, des ajustements pour te permettre de progresser. Si jamais des choses qui ne fonctionnent pas, je vais l'ajuster dans la semaine. Tu vas avoir des séances d'entraînement si jamais ça s'applique à toi ou pas. Chaque vendredi, je vais t'envoyer un check-in. Ça va être important de le remplir, le check-in. Ça va me permettre de faire le suivi de ta semaine, voir si tu as fait tes choses, te rendre accountable à moi, redevable. Le vendredi, je regarde aussi ton fit log, voir est-ce que tu as fait tes entraînements, est-ce que tu as pris les bons poids, est-ce que tu as fait les bons exercices, est-ce que tu t'es logué. Donc, c'est important pour toi de rentrer les poids dans l'application. Le lundi, je t'envoie un message vocal par rapport à ton check-in, voir si tu as fait ton devoir, voir si tout est bon. Principalement par rapport à ça. Ensuite, dans l'aventure client, dans d'autres affaires, tu vas avoir le groupe Facebook qui va te permettre de te motiver, de te supporter, de donner du contenu, de voir ce que les autres font. Donc, c'est important de participer. Je donne des points par rapport aux clients du mois par rapport à ça. Donc, si tu as fait des posts Facebook, si tu as posté sur Instagram, tu es à l'aise de nous partager, de nous aider par rapport à ça. Tu as fait vraiment tes efforts, je donne un client du mois, donc je remets un prix nécessairement par rapport à ça. Tu vas avoir des événements avec la Team Mindset, je veux que tu participes, il va y avoir des soupers, il va y avoir des entraînements, il va y avoir plein d'activités, du bowling, whatever. Ça aide pour qu'on puisse se rassembler et qu'on puisse vraiment bâtir un entourage propulsant. C'est principalement ça qu'il va y avoir dans le suivi avec nous. Puis tu vas avoir moi constamment qui va être dans le fond coach Clou qui va être constamment là pour te supporter. Tu vas aussi tes autres coachs qui vont être là avec toi. Mais moi je m'occupe quand même de la méthode Team Mindset. Donc chaque client, je vais les revisiter, les réévaluer à chaque fois. Donc que tu sois avec un autre coach ou pas, ton dossier est toujours étudié par moi pour comprendre si on est sur la bonne longueur d'onde. Donc je suis comme un peu le head coach par rapport à tout ça.